Alors, Kia évoque des infos sur l'IV4. Ça sera un petit SUV électrique de la taille du Kona, j'imagine. Ou alors du Niro, je sais pas. Ils vont sûrement retirer le Niro du coup de la gamme hein, si vraiment ce SUV arrive. Donc il devrait arriver en 2025, oui. Ce sera, je pense, la fin du Niro à ce moment-là. Là, c'était évidemment un gros restylage, mais ça sent la fin quand même. Hein. Vu les caractéristiques un petit peu dépassées quand même, il faut le dire, même s'il a des qualités. Donc il devrait arriver en 2025 après le SUV électrique IONIQ 7. Le modèle reprendra la plateforme IGMP de l'IV6 avec un empennement réduit à 2,90 m. Il embarquera certainement les deux batteries de l'IV6. La petite de 58 kWh et la plus grande de 77. L'objectif de ce modèle sera de lutter face au Q4 e-tron, Mercedes EQA, BMW iX1 ou encore Volvo C40. Nipping précise que Kia devra encore choisir entre l'architecture 400 volts et la 800 volts. Les plus petits modèles pourraient conserver la 400 volts, mais rien n'est sûr selon lui. Ah, ça veut dire vitesse de charge un peu moins rapide, du coup. Bon, à voir, en même temps, ça, si ça permet au véhicule d'être moins cher. D'être vendu à un prix plus compétitif, on va dire. Pourquoi pas? Faut voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.